Bonjour les amis, désormais, à partir de dorénavant et pas plus tard que tout de suite, je vais vous étonner avec une question. Et puis il y a Zakaria Rezouk-Arzouki, Zakaria Rezouki qui est, je pense, originaire de Timrer. Timrer, pour ceux qui ne savent pas où se trouve, ça se trouve, c'est plus dans les confins du désert, dans les confins du Sahara, derrière, au sud du Haut Atlas, donc ils sont carrément face à face avec le Sahara. Et c'est un gars très très charmant, très gentil, vraiment qui ne parle pas beaucoup, un peu timide sur les bords. Mais il me prenait pour son père comme moi je le prenais pour mon fils. Et il y avait quand même des affinités un peu très affectueuses entre nous. Mais un jour, il me surprend par un truc. Je lui dis, il faut que tu me présentes un jour ton père. Et il me dit, tu risques de foutre en l'air son éducation. Parce que moi, je ne pèse pas mes mots, je suis toujours obsédé. Dans le langage avec les copains et tout ça. Il a remarqué, il m'a dit non, tu vas foutre en l'air l'éducation de mon père. Merci Zakaria, je t'adore. Mais j'ai pas dit ma simple réponse. La réponse de zéro, c'est pas une réponse. La réponse réelle, c'est que moi je dispose de la plus grande. Les meilleures références peut-être du monde. Vous allez peut-être vous dire que celui-là commence à halluciner. Je vais vous dire pourquoi. Attendez, ne vous fâchez pas. Eh bien, vous allez prendre toutes les formations que je mets entre vos mains sur ma plateforme. Elles sont faites par énormément de formateurs. Ça commence à rentrer un peu dans votre cerveau. Et ces formateurs, ils sont professionnels. Ces formateurs, ils sont vieux dans le métier ou nouveaux, mais ils sont percutants. Ces formateurs, ils ont énormément de choses à dire, plus que ce que je suis en train de dire, parce que moi, je suis sur une autre rail. Un autre rail. Ok. Alors, vous allez entrer dans leur système, dans leur site. Vous allez essayer de voir leurs statistiques. Chacun a des statistiques, des chiffres, des courbes. Il vous montre tout ce que vous voulez. En face de la caméra, il dit... Le roi Hussein de Jordanie parlait à son peuple très très rapidement. Pardon, très très. Je suis pris dans mon propre piège. Très très lentement. Pourquoi ? Mais justement, pour que l'auditeur entende bien ce qu'il écoute, qu'il l'assimile et qu'il le comprenne profondément. Vous avez vu, avec les blancs, on a cette espèce de suspense pour connaître la. Bon, parce que même moi, par exemple, j'ai 71 ans, je suis un bébé quand je suis devant un mentor. Parce que je ne comprends pas ce qu'il dit. Il faut que le mentor se mette à mon niveau. Mais il y a des mentors, imaginez, il y a des mentors de 22 ans. De 22 ans, 24 ans, moi j'ai 71 ans, c'est moi le bébé. Ça, c'est insolite.
Alors, notre parent, là, il rentre chez lui un jour, et puis chez ses enfants, et puis il va voir l'épicier du coin pour lui acheter des œufs. Et comme ça, il rentre, il lui dit, en français dans le texte, donnez-moi s'il vous plaît des œufs. Et l'autre ne comprend pas. Et puis il y a un petit épisode de discussion où il n'y a rien que du galimatia, de l'imbroglio, que personne ne comprend ni l'un ni l'autre. Et à un moment donné, le parent il dit, voilà ce que j'ai fait. J'ai regardé l'épicier, je lui dis, il dessine une ellipse comme ça, et puis il dit Cocorico! C'est comme ça que l'épicier a compris qu'il voulait des œufs. Il lui a donné ses œufs, il a payé, et puis le parent est parti. Vous avez vu, ça, c'est de la vulgarisation. Suite. Voilà, merci, Abdhak. Chapeau. Voilà. Et puis, il y a Abdrahman Ba'Allah. Abdrahman Ba'Allah, c'est un camarade de classe. Nous étions au lycée Mohamed V et maintenant on est amis. Alors, c'est Abdrahman Ba'Allah, l'ami qui me donne toujours du torticolis, parce que chaque fois que je le rencontre, il me donne du torticolis. Alors, il est tellement grand parce que, bon, moi je préfère m'adresser à son nombril directement. Vous le mettez dans une foule, vous ne le perdez pas, il est très très grand le gars. Et il est toujours en train de rigoler, je ne l'ai jamais vu en train de pleurer, c'est que c'est une foule. Merci. Belle. Ok. Donc, je suis peut-être la petite fée que vous avez avec sa barbe. Avec sa barbe. La fée barbue. Voilà, bon, ça me coûte tout ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'assume. Je suis mieux qu'une banque, franchement. Je ne vais pas vous donner de l'argent, vous n'allez pas faire un crédit chez moi. Non, je vous aide et vous ne savez même pas que je vous fais gagner de l'argent. Il faut peut-être couvrir les quatre coins de la terre pour trouver quelqu'un comme moi. Je suis en train de. Vous ne rêvez pas, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Je vous enseigne. Donc voilà. Alors, il reste quand même une question. Bon, c'est le prix, bien entendu. Moi, j'ai passé plus de 2 ans à arriver à ce résultat. Combien ça coûte? Par exemple, 2 ans de travail. Combien ça coûte? Ça va vous coûter cher. Ne vous en allez pas, ne vous en allez pas parce que j'ai une surprise, une belle surprise pour vous. Ça, c'est drôle. Eh bien, messieurs, dames, ça va coûter très 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 cher, effectivement. Mais je vais payer la totalité. C'est pas vous qui allez payer, mais c'est moi qui vais payer vraiment tout ça. Ça va me coûter très cher, ça va me coûter cher, ça va me coûter, je vais vous dire ce que ça va me coûter. Ça va me coûter la centaine par semaine, la centaine de formations offertes par semaine. Imaginez ce que vous allez, peut-être que vous allez finir avec des milliers de formations offertes. Vous vous rendez compte? Ça va me coûter le temps que je vous fais gagner. Imaginez, bon. Vous avez quelqu'un, vous faites la course, et puis j'arrive moi et j'arrête le temps pour votre concurrent, et vous allez courir, et peut-être que vous allez arriver avant qu'il ne commence lui, quand j'agite ma baguette magique. Bien entendu, un pouce bleu, un partage, un commentaire, un abonnement, bien entendu, pour que.
chaque fois que j'ai une vidéo qui sort, elle tombe automatiquement chez vous, donc vous allez la regarder. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a fait plaisir.